allez bien? Ah, j'ai pas entendu, ça doit être le mauvais temps, hein. Est-ce que vous allez bien, Cooper? Oui, je vais la faire. J'ai pas entendu! Ah bah voilà! Alors, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici? Vous êtes ici pour voir un défilé cosplay. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que le cosplay? Je vais le dire quand même pour les gens qui n'osent pas dire non. Le cosplay, c'est un loisir créatif qui consiste à reproduire l'apparence d'un personnage de fiction, que ce soit en reproduisant son costume, ses mimiques, ses vêtements, et après de venir l'incarner sur scène, enfin sur scène même pas forcément, pour des photoshoots aussi par exemple. Donc c'est un peu le mélange entre de la couture, du bricolage, de la coiffure, du maquillage et du théâtre. Tout ça! C'est un loisir très très complet. Et donc, je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement tous les cosplayers qui vont participer au concours. Mais avant, j'attends le coucou de la régie. Enfin, le coucou ou le c'est bon, ok, t'inquiète. Ça mouline. Moulinage. Sinon, ça vous plaît? Est-ce que vous êtes chaud à Japan Manga Wave? On meuble comme on peut. Vous avez un Ikea par là? Je meuble tout pareil. C'est bon, alors on va bientôt pouvoir commencer. Donc, venant de l'univers de My Hero Academia, il y en a qui connaissent? Je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement Salomé Bezadage qui va vous interpréter le personnage de Miruko. On l'applaudit! Miruko, si tu veux venir pour prendre des photos, tu as le droit, hein? Non? Tu veux pas reprendre pour faire des photos? Bon bah tant pis. On l'applaudit encore bien fort! Alors, on va passer maintenant sur du Genshin Impact. Il y a des fans dans la salle? Donc je vais vous demander d'accueillir chaleureusement Fish et Elia qui vont nous présenter les personnages de Hu Tao et de Furina. On les applaudit! Et je vais vous demander d'accueillir très 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 chaleureusement Maïlou et Eon qui vont vous interpréter les personnages de Klee et de Lilette. On les applaudit! Deux univers qui n'ont rien à voir ensemble, juste parce que c'est fun. Voilà.
Donc là, on va avoir un crossover entre Fire Force et Naruto. Donc je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement Maki et Kiba, qui vont vous interpréter les personnages de Maki Ose et de Kiba. On les applaudit! On les applaudit encore! Donc on va rester sur un crossover entre Hazbin Hotel et Five Nights at Freddy's cette fois. Je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement Valentino et William Afton. On les applaudit bien fort! On les applaudit bien fort! Ça va vous, toujours? Vous êtes chaud? Alors, maintenant, on va passer sur un jeu vidéo. Édité par Square Enix, tout ça, tout ça. Est-ce qu'il y a des fans de Final Fantasy dans la salle? Alors, parce que j'aime bien faire des débats à la con. C'est lequel le meilleur Final Fantasy? La réponse était le 8, voyons. Oh. Donc je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement Lunati qui va nous interpréter le personnage de Linoa Ertili. On l'applaudit! Le prochain groupe a un petit peu de logistique à faire, donc on va attendre qu'ils soient prêts. Mais avant, je peux quand même vous les annoncer. Hein. Est-ce que quelqu'un connaîtrait par hasard un manga pas du tout connu qui s'appelle Demon Slayer? Alors... Venant donc de Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba, je vais vous demander d'accueillir un très grand groupe avec, attention, un Rengoku, deux Tanjiro, une Shinobu, une Nezuko et une Kanao. On les applaudit bien fort! Bye.
par ici, Puella Magi Madoka Magica. Un nom très très long à dire, mais l'animé est bien. Jusqu'à ce que vous l'ayez vu, et après vous allez filzer comme pas permis. Bref, c'est un excellent animé quand même. Je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement Adé qui va nous interpréter le personnage de Madoka. On l'applaudit! En animé qui a eu aussi beaucoup de jeux vidéo. Je pense que tout le monde ici connaît Dragon Ball. Donc je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement Shikamjo qui va nous interpréter le personnage de Great Saiyaman. On l'applaudit. Sur encore un crossover de manga cette fois-ci. Est-ce que vous connaissez tous Evangelion? Est-ce que vous connaissez tous Bungo Stray Dogs? Donc je vais vous demander d'accueillir les personnages de Rei et de Sho, je sais plus comment on prononce le nom. Daisai, pardon, excusez-moi, j'ai pas encore rattrapé mon retard en animé. On les applaudit. Un tour du côté de Genshin Impact et je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement Alessio qui va nous interpréter le personnage de Kaveh. On applaudit bien fort. That's why rooming with Al Hatham is the worst. Oh, and another thing, he's been wearing my limited edition Weasel House slippers. Ugh, Kaveh, stop complaining about Al Hatham. Besides, why would he wear your slippers? He's so much richer than you. If he wanted, he could buy thousands of them. On top
everything else, I think I'm getting sick. At the mention of Al Haytham, maybe. Kaveh, as a forest watcher, I've seen my share of ailments. Et on l'applaudit bien fort! Alors, on va maintenant passer sur un manga adapté en animé, il me semble. Est-ce que quelqu'un connaît Toilet Bond Anako-kun? Donc, je vais vous demander d'accueillir bien fort l'Akiyu qui va nous interpréter le personnage de Yashiro Nene. On l'applaudit! Et on l'applaudit encore! Vous allez toujours bien? Alors, on va continuer maintenant avec un logiciel de synthèse vocale. Est-ce que quelqu'un connaît Vocaloid? Est-ce qu'il y a des fans dans la salle? Alors, je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement Cher Corby, qui va nous interpréter le personnage de Len. On l'applaudit bien fort! Et on l'applaudit encore! Alors, on va passer maintenant sur une série qui a été produite, je crois, par Netflix. Est-ce qu'il y a des fans de Arcane dans la salle? Ou de League of Legends? Donc, je vais vous demander d'accueillir Never Luca Zeria qui va nous interpréter le personnage de Jinx. On l'applaudit! Il me semble. Est-ce qu'il y aurait des fans de Undertale dans la salle? Alors, pour les fans de Undertale, qui est le meilleur personnage? La raison, c'est Metatron, évidemment. Donc, je vais vous demander de l'accueillir chaleureusement. Et il est incarné par Julie Orlikos. On l'applaudit! I would stop moving if I could stop moving, 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 moving. Look out! I'm
Et on l'applaudit bien fort. Alors, on va passer maintenant sur un manga adapté en animé, tout ça, tout ça. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'Attaque des Titans dans la salle? Est-ce qu'il y a des gros fans de l'Attaque des Titans dans la salle? Et maintenant, vous avez plus de voix. De rien. Donc, je vais vous demander très chouette d'accueillir très chaleureusement Chichi qui va nous interpréter le personnage de Zoé Angue. On l'applaudit bien fort! Qui a quand même un point commun global, c'est que c'est des bons gros militaires. Donc je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement mon gros groupe de militaires qui vient du crossover entre la Fondation SCP Call of Duty et globalement les guerres mondiales. On les applaudit bien fort! C'est mieux. Hey. Ça vous a plu? Ouais. Ça tombe bien parce que ça continue. Alors, venant d'un jeu vidéo adapté en animé aussi après, est-ce qu'il y en a qui connaissent Nier Automata? Alors, je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement Nonche et Ramka qui vous interpréter les personnages de A2 et 2B. On les applaudit bien fort! Thank you.
va passer sur un univers complètement différent. Est-ce que vous êtes familier avec l'univers des jeux de rôle et des jeux de rôle grandeur nature? Voyez Donjons et Dragons? Voilà, bah il y a des gens qui se réunissent le temps d'un week-end ou une semaine, ils font ça en vrai. Et c'est trop cool. C'est des gens qui viennent avec leurs costumes et tout. Donc, venant d'un jeu de rôle, je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement Yukishiro qui va vous interpréter un chevalier du soleil. On applaudit! Il reste plus que deux passages pour le défilé. Ah, vous en avez rien à faire. Bon, je la refais, on la refait bien. Il reste plus que deux passages pour le défilé. Mais ça veut dire qu'il en reste encore deux. Donc, venant d'un jeu vidéo que je pense tout le monde connaît, vous connaissez Super Mario quand même. Donc je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement Ewen qui va nous interpréter Mario. On l'applaudit bien fort! Ah, c'est trop mimi. Alors, maintenant, du coup, on arrive à notre dernier passage du défilé. Donc, venant de l'animé, adapté en jeu, tout ça, Love Live Superstar, je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement Nemina, qui va vous interpréter le personnage de Keke Tang. On l'applaudit! Thank you.